Shalom, shalom, shalom. Bienvenue. Bienvenue, Sylviane. Maman Grâce. J'espère que vous allez bien. Shalom, shalom. Je vous laisse vous connecter. Il est 5h du matin. Bienvenue. Et bravo, vous êtes levés ce matin tôt. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, comme on l'a fait depuis lundi, je vous encourage à partager dans les groupes, partager sur WhatsApp, partager sur Facebook, on est en ligne sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Donc là, je vous laisse arriver tout doucement, tranquillement. Merci de mettre vos prénoms et le pays où vous trouvez actuellement. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore couchées puisque chez eux, c'est le soir. Alors, je sais qu'il y a la Martinique, la Guadeloupe, le Canada qui suit. En tout cas, soyez les bienvenus. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous êtes bien réveillés. J'espère que vous êtes en forme. Le Seigneur va encore nous faire du bien aujourd'hui. Alléluia. Depuis lundi, vraiment, il s'est glorifié, il a touché, il a restauré des cœurs. Il a converti aussi des personnes. Alléluia, des frères et sœurs qui ont donné leur vie au Seigneur. Donc, on bénit vraiment Dieu. Alléluia. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Alléluia. On va prier et on va demander que le Seigneur puisse vraiment nous faire du bien encore ce matin, qu'il puisse vraiment nous encourager, nous parler. Et nous allons prier, là où tu te trouves. Sois disposé pour prier, pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur veut te donner ce matin. Alléluia. Alors Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es là ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous sommes au troisième jour et tu nous as fait du bien depuis lundi. Nous savons qu'aujourd'hui, ce matin, tu vas encore nous faire du bien. Tu vas faire du bien à tes enfants qui sont là, connectés. Merci parce que tu vas restaurer un cœur. Tu vas encore guérir une personne ce matin. Tu vas guérir un cœur. Tu vas guérir un corps physique. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci de conduire ce moment de prière. Merci de nous parler. Merci, Seigneur, de pouvoir répondre à nos questions. Nous voulons te laisser toute la place. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es le roi des rois. Tu es le Saint des saints. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci, Jésus, de prendre place en ce lieu. Nous attendons vraiment après toi. Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Hier, il y avait un petit problème de son. Je pense que là, c'est réglé. Est-ce que vous m'entendez bien? En tout cas, bienvenue, 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 bienvenue à vous sur TikTok. Vous êtes toujours là. Merci pour les encouragements. Alors, ce matin, j'avais une parole à vous donner. J'avais deux versets à vous donner. Ce matin, je voulais parler du silence. Je voulais parler du silence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Bonjour de la Nouvelle-Calédonie, bienvenue. Alors, le silence de Dieu n'est pas son absence. Est-ce que tu peux mettre en commentaire « Le silence de Dieu n'est pas son absence ». Le silence de Dieu n'est pas son absence. Alors, je vais vous donner ce verset, Jacques 5 à 7. Jacques 5 à 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les puits de la première et l'arrière-saison. » Amen. Soyez donc patients. Le Seigneur nous demande d'être patients. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Parfois, et même souvent, j'entends des personnes me dire « Mais je crois que Dieu m'a abandonné. Je pense que Dieu m'a abandonné. » Ou certaines personnes même certifient que Dieu les a abandonnés. Non, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il n'est pas présent. Dieu est présent. Il est omniscient, omnipotent. Il est là, il est avec toi. Oui, il est là, omniscient. Alléluia. Le Seigneur est là. Il est là en ce moment. Lorsque tu dors, il est là. Il va pas se coucher entre 23h et 4h du matin.
il est là, il est présent, et là, il t'entend. Lorsque tu as prié ce matin, il t'a entendu, et il entend tes prières. Amen. Mais il n'est pas obligé de répondre. Il n'est pas obligé de répondre, c'est ça qu'il faut savoir. Il n'est pas obligé de répondre à tes prières. Il n'est pas obligé de répondre lorsque tu lui parles. Amen. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il ne répond pas, parce qu'il est silencieux, qu'il est absent. Parfois, le silence, cela nous permet à nous de pouvoir réfléchir. Parfois, nous posons des questions à Dieu alors que nous avons déjà les réponses. Ce que Dieu veut à travers le silence, c'est de t'observer, de voir si tu es déterminé, si vraiment, réellement, tu tiens à ce projet, si vraiment tu tiens à lui, si vraiment tu es fidèle à sa parole. Alléluia. C'est pourquoi il te demande d'être persévérant. Il te demande d'être persévérant. Tu penses qu'il t'a abandonné, mais c'est faux. C'est faux. Parfois, c'est nous qui l'abandonnons. Parfois, c'est nous qui l'abandonnons. Comme j'ai expliqué hier, parfois, c'est à cause du péché qui nous empêche d'être connectés avec Dieu. Hier, j'avais donné l'exemple. Lorsque tu as un péché en toi et que tu veux parler à Dieu, Dieu t'entend comme ça. Dieu t'entend au fond. C'est comme si tu avais la main devant ta bouche. Dieu n'entend pas et il aimerait communiquer avec toi. Mais le péché empêche Dieu de t'entendre. Amen. Alléluia. Alors, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Il a dit, je ne vais pas t'abandonner, je serai toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alors Dieu est là, Dieu est présent. Une chose que tu dois savoir aussi, c'est que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Parfois, tu ne sais pas pourquoi. Tu essaies de comprendre pourquoi. Pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi la prière n'est pas exaucée? Pourquoi telle chose? Pourquoi il arrive ci? Pourquoi il arrive ça? Sache que ce qui t'arrive dans ta vie, ce n'est pas la faute, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas ta faute non plus, mais c'est des circonstances. Mais sache que Dieu est là, Dieu est présent. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il veut toujours nous faire comprendre quelque chose. Il veut toujours nous faire comprendre quelque chose. Mais lorsque tu as compris que Dieu est là, lorsque tu as compris que Dieu est disponible, lorsque tu as confiance en Dieu et que tu sais qu'il va agir, alors tu continues à prier chaque jour jusqu'à exaucement. Tu continues de prier chaque jour jusqu'à exaucement. Alléluia. Je vous encourage à partager, partager, partager. Bienvenue, bienvenue aux personnes qui viennent de se connecter. Alléluia. Dieu est là. Dieu est là. Tu dois être conscient que Dieu ne va pas t'abandonner, mais tu continues à prier. Tu continues à prier. Tu continues à prier. Je connais des personnes qui ont un sujet de prière. Et ils ont prié pendant un mois. Et après un mois, ils n'ont rien vu. Ils ont laissé tomber. Je t'encourage à continuer. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois t'arrêter lorsque tu as atteint ton objectif, c'est-à-dire lorsque Dieu a exaucé ta prière. Et peut-être que Dieu ne veut pas exaucer ta prière parce que aussi, ce n'est peut-être pas sa volonté. Parfois, on dit à Dieu ce qu'il doit faire. Parfois, on dit à Dieu, fais ci, agis, fais ci, fais ça, va à droite, va à gauche. Mais ce n'est pas à nous de contrôler Dieu. Ce n'est pas à nous de contrôler Dieu. Dieu est Dieu et il sait ce qui est bon pour nous. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois heureux. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois épanoui. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses lâcher prise. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois déterminé, que tu sois courageux. Ce que Dieu veut, c'est que tu rentres dans ta destinée et que tu puisses faire sa volonté. Mais parfois, est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce que parfois, nous répondons à ses exigences? Est-ce que nous répondons à l'appel de Dieu? Alléluia! C'est ça qui est important. C'est ça que tu dois te dire aujourd'hui. Le Seigneur est peut-être silencieux, mais parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. C'est souvent dans des moments de doute, c'est souvent dans des épreuves qu'on cherche Dieu comme on ne l'a jamais cherché. Alléluia. C'est souvent dans des moments difficiles qu'on cherche Dieu comme on ne l'a jamais cherché. Alors parfois, Dieu va laisser, Dieu va laisser certaines épreuves, certaines circonstances pour qu'à travers ces épreuves, tu cherches Dieu, qu'à travers ces épreuves, tu trouves des solutions. Alléluia. Parce que les solutions, elles sont là. Les solutions, elles sont là. Oui, c'est dur, mon frère, ma sœur, je comprends, mais tu dois continuer à persévérer. Tu dois continuer à persévérer. Parfois, nous voulons que nos prières soient exaucées rapidement, comme des enfants gâtés. Lorsque tu donnes beaucoup à tes enfants, lorsque ton enfant vient te voir et te dit « j'ai besoin d'une trottinette, j'ai besoin d'une console de jeu, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça », si à chaque fois tu réponds et tu lui donnes tout de suite, l'enfant va être habitué. Mais lorsque tu ne lui donnes pas, lorsque tu refuses, il va se fâcher, n'est-ce pas?
Il va se fâcher. Ton enfant va se fâcher. Il va dire, mais moi, d'habitude, lorsque je demande, mon père me donne, ma mère me donne. Lorsque je demande quelque chose, je reçois tout de suite. Mais là, pourquoi je ne reçois pas? Et l'enfant commence à bouder. L'enfant commence à être arrogant. Il commence à être orgueilleux. Il commence vraiment à mal réagir. C'est comme ça avec Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants gâtés. Tu pries et hop, Dieu va exaucer. Non, non, non. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas ainsi. Même Jésus a dû attendre. Même Jésus a dû attendre. Alléluia. Lorsque Jésus a dit à la croix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a dit à son Père, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il fit 3 jours et 3 nuits en enfer, confronté à ce temps de silence. Et à l'issue des trois jours, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est ressuscité. Jésus est sorti du tombeau après 3 jours, mais il a dû attendre 3 jours. Il a demandé à son Père, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a dû attendre, alléluia. L'attente est bonne, l'attente est bonne. Peut-être que tu ne vois pas encore le bout du tunnel, mais sache qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Tu avances, tu es dans le noir, tu avances, tu es dans le noir. Tu dis, « Ah, mais quand est-ce que je vais sortir de là? Quand est-ce que je vais voir la lumière ?» Mais toi, tu sais. Tu as la conviction, alléluia, tu as la conviction qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Alors tu commences à avancer, tu commences à avancer, tu commences à avancer. Alléluia, je prie que bientôt tu vois la lumière au bout du tunnel. Je prie que bientôt les portes s'ouvrent dans ta vie. Je prie vraiment que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je prie pour cela aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie vraiment que tu sortes de ces difficultés là où tu es actuellement. Je prie vraiment que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur t'amène de gloire en gloire, que tu ailles là où tu dois aller. Alléluia, là où le Seigneur veut t'amener, mais tu dois continuer. Je prie vraiment que tu sois persévérant. Je prie que tu sois courageux. Je prie que tu aies cette conviction. Alléluia, que tu aies cette conviction que ce que tu as demandé, cela va s'accomplir. Que tu aies cette conviction. La conviction, c'est quelque chose de fort. Pour moi, la conviction, c'est vraiment la foi. C'est tu sais que ça va arriver. Cette conviction, cette conviction que tu as dans ton cœur, c'est comme si tu n'avais pas besoin de prier. Tu sais que ça va arriver. Tu ne pries même pas Dieu, tu remercies déjà. Tu es passé à une autre étape. Nous sommes souvent dans cette position de Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je ne vois pas, Seigneur, donne-moi, donne-moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais la conviction, c'est Seigneur, je sais que ça va arriver, alors je ne m'inquiète pas. Je sais que ça va arriver. Donc déjà dans ta tête, tu es déjà en position que ça va arriver. Je le sais, j'ai cette conviction. Amen. Tu n'as même pas besoin de prier. Tu dis, Seigneur, je te fais confiance et je sais que ça va arriver. Parce que Dieu est disponible. Parce que Dieu est disponible. C'est ça que ce matin, le Seigneur veut vraiment t'enseigner. Que tu gardes cette conviction. Que même Dieu, même si Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire qu'il est absent. Dieu est là, mais il veut juste apprendre quelque chose. Dieu veut t'apprendre quelque chose. Parfois, tu veux parler à ton père et tu lui demandes quelque chose. Et ton père est silencieux, il ne répond peut-être pas. Mais dans ce silence, tu te poses plein de questions. Dans ce silence, tu commences à réfléchir. Parfois, tu parles à quelqu'un et la personne, elle reste silencieuse. Et tu continues de parler, tu continues de parler. Parfois, ce silence va vraiment te permettre de réfléchir. Alléluia. Ce silence va vraiment te permettre aussi d'écouter. Lorsque tu fais silence, tu écoutes la personne. Parfois, nous sommes toujours en train d'être dans l'activité, toujours en train de faire des choses. Et parfois, c'est bien d'être dans le silence, d'être dans le silence aussi avec Dieu. Alléluia. Nous sommes toujours en train de prier, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Et après, on dit, au nom de Jésus, amen, et on s'en va. Mais Dieu dit, mais moi, je voulais parler. Mais moi, je voulais parler. Tu ne m'as pas donné l'occasion de parler. Lorsque tu pries, sache que Dieu aussi veut répondre. Lorsque tu pries à Dieu, Dieu veut aussi répondre. Laisse Dieu te parler. Prends du temps dans sa présence et reste calme. Toi aussi, tu peux être silencieux. Tu restes calme dans sa présence et Dieu te parle. Mais elle ne peut pas te parler si tu es inquiet,
Il ne peut pas te parler si tu es angoissé. Il ne peut pas te parler si toi, tu attends. Tu dis, Seigneur, parle-moi, 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 parle-moi. Reste calme. Parfois, nous sommes trop agités. Et le monde nous agite. Dans le monde où nous vivons, nous sommes constamment agités. Tu vois sur TikTok, tu vois les vidéos, c'est rapide. Donc, en fait, on veut toujours nous mettre dans une position de rapide, 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 rapide. Tu regardes le Wi-Fi, c'est rapide, toujours rapide. Il faut faire les choses rapidement. On mange rapidement, on fait les choses rapidement, on parle rapidement, toujours rapidement, rapide, rapide, rapide. Et parfois, c'est bon de s'habituer à rester calme, à rester dans la présence de Dieu. Tu mets une musique douce. Tu vas sur YouTube, tu mets une musique douce et tu restes calme. Tu restes calme. Tu vois les bouddhistes, ils arrivent à rester des heures. Quand ils font la méditation, ils restent pendant des heures. Ce n'est pas une heure, mais ils peuvent rester pendant 5 heures. Ils restent au calme. Ils restent au calme. Alors, je sais que là où tu habites, tu te dis, oui, mais là où je suis, il y a du bruit. Là où je suis, il y a du bruit autour de moi, avec ma famille, avec les enfants. Alors, mets-toi à part. Mets un casque. Enferme-toi. Parce que tu vas être connecté à Dieu. Dieu veut passer du temps avec toi. Dieu veut passer du temps avec toi. Alléluia. Dieu veut passer du temps avec toi. Mais le problème, nous négligeons. Négligeons le temps passé avec Dieu. La parole nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. À cause de nos comportements, nous attristons le Saint-Esprit. À cause de notre désobéissance, nous attristons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut que tu pries. Le Saint-Esprit veut que tu passes du temps avec lui. Le Saint-Esprit veut que tu lis la parole de Dieu, tu la médites et tu attends seulement. Et ça prend forme en toi. Lorsqu'il y a une parole qui vient, tu la prends, tu la médites, tu attends, tu réfléchis, tu dis comment je vais mettre en pratique ce message. Tu es là depuis lundi, nous sommes mercredi. Lundi, mardi, il y a eu un message. Mercredi, tu as eu aussi ton message dimanche dernier à l'église. Quelle action tu as mis en place depuis lundi? Quelle action tu as mis en place depuis les débuts de semaine par rapport à ce que tu as entendu? Quelles sont les actions que tu as mis en place? Alléluia! Quelles sont les actions que tu vas mettre en place? Là, aujourd'hui, c'est un live. Nous sommes au 3e jour. Alléluia! Alors aujourd'hui, tu dois sortir. Tu dois sortir de ce tunnel. Le 3e jour, Jésus ressuscité. Tu sors de là où tu étais. Tu sors de ta grotte. Et là, tu dis, à partir d'aujourd'hui, ça y est, je suis ressuscité. Alléluia, je vis. Alléluia, je sors de là où j'étais. Maintenant, je revis. Alléluia, je revis. Alléluia. Donc, tu vas sortir de ce tunnel. Tu vas sortir de ce tunnel. Mais tu dois mettre en place des actions. Parce que c'est à travers l'action qu'il va avoir des émotions. Et à travers ces émotions, c'est ainsi que tu vas avancer. C'est ainsi que tu vas avoir les portes qui vont s'ouvrir. Parce que tu dois passer à l'action. C'est dans l'action que tu vois le tunnel. Imagine que tu es dans ce tunnel. Il fait noir. Si tu restes là où tu es, mais tu ne vas pas voir la lumière, tu dois avancer. Plus tu vas avancer et plus tu vas voir la lumière, tu dois avancer. Dans la vie chrétienne, nous devons avancer. Nous devons poser des actions. Dieu ne va pas faire à ta place. Dieu ne va pas faire à ta place. Et parfois, il est silencieux pour te faire comprendre que tu dois bouger. Dieu est silencieux parce qu'il te fait, il veut te faire confiance. Il veut te faire confiance, mais il veut te faire bouger. Il veut que tu avances. Il veut que tu mets en place des actions. Alléluia. Tu dois poser des actions. Tu dois poser des actions. Le problème, c'est qu'on dit toujours cette excuse, j'attends Dieu, j'attends le bon moment. Mais Dieu te dit, là, c'est le bon moment, tu peux aller, tu peux avancer. Lorsque tu vas avancer, Jésus va avancer avec toi et c'est lui qui va ouvrir le chemin. Mais là, il t'ouvre le chemin, mais tu n'avances pas. Moïse, lorsqu'il était face à la mer Rouge, avec les Égyptiens qui étaient derrière, il a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il a commencé à paniquer et Dieu lui a dit, mais arrêtez de murmurer, arrêtez de crier, arrêtez même de prier. Mais lève le bâton, Moïse. Il a levé le bâton et la mer Rouge s'est écartée. Donc déjà, il a fait une action, il a levé le bâton. Dieu n'a pas levé le bâton à sa place. Il a dit, lève le bâton. Quand il a levé le bâton, il a mis en place une action. Il a eu confiance en Dieu. Là, les portes se sont ouvertes. Alléluia. La mer Rouge s'est écartée. Et là, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a avancé.
Mais imaginez, les portes s'ouvrent devant, mais il reste là et dit j'attends. J'attends, Seigneur, que tu me pousses avec un vent. J'attends, Seigneur, que tu me dis go. Mais il est avancé. Il a avancé. Et parfois, c'est ça. Dieu te dit avance. Dieu te dit d'avancer et tu dois avancer. Tu dois mettre en place des actions. Dieu ne va pas écrire ton livre à ta place. Dieu ne va pas faire à ta place. Dieu ne va pas t'envoyer un employeur qui va t'appeler pour te dire « j'ai une place pour vous ». Tu dois déjà poser des actes. Sinon, on devient des enfants gâtés. On attend et on dit « Seigneur, c'est toi qui fais ». Le Seigneur veut qu'on soit calme. Le Seigneur veut qu'on ait confiance en lui. Mais il veut aussi qu'on passe à l'action. C'est pourquoi nous disons « Dieu est disponible ». Mais pour être disponible, il faut pouvoir mettre en place des actions afin qu'il puisse se glorifier. Alléluia. Dans chaque chose qu'on fait au quotidien, il y a toujours une action. Lorsque tu veux être guéri, lorsque tu es à l'église, il y a une action que tu vas mettre en place. Tu vas aller devant et tu dis « non, je veux être guéri ». Alors tu vas devant afin que le pasteur puisse prier pour toi, puisse imposer les mains sur toi. Il y a toujours une action aussi dans ta bouche. Tu désires, tu vas de l'avant, il y a toujours une intention. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Alors à toi de réfléchir aux actions que tu vas mettre en place aujourd'hui afin que les portes puissent s'ouvrir. Afin que les portes puissent s'ouvrir. Aie confiance en Dieu. Tu avances. Tu dis, Seigneur, j'avance. Est-ce que tu peux dire en commentaire, j'avance. Aujourd'hui, j'avance. J'avance avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Et je prie que tu avances. Que tu avances avec la sagesse de Dieu. Je prie que tu avances avec la sagesse de Dieu. Dieu est avec toi. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Tu peux avancer aussi dans tes pensées. Tu dis, c'est vrai, aujourd'hui, il y a quelque chose que je dois faire. Ça fait des années que j'en parle, ça fait des années que je dois écrire mon livre, ça fait des années que j'ai dit que j'allais faire des vidéos, ça fait des années que j'avais dit que j'allais créer ma chaîne YouTube, j'allais créer ma chaîne TikTok. Alléluia, ça fait des années, ah je vais le faire, là je sens que c'est le moment. Et lorsque tu vas passer à l'action, là tu as trop attendu, mais c'est pas grave, dans cette attente tu t'es formé, dans cette attente tu as appris les choses, mais aujourd'hui dis-toi, j'y vais, aujourd'hui c'est mon jour, alors j'y vais. Alléluia, amen. Nous ne devons pas non plus avancer sans réfléchir, mais nous devons avancer avec l'aide de Dieu. Dieu va te donner cette impulsion. Si aujourd'hui, pendant ce message, tu dis « effectivement, j'ai trop attendu, je vais avancer », alors ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de te parler. Si aujourd'hui, tu dis « non, moi, je suis bien dans la position où je suis », ok, alors reste comme tu es. Reste comme tu es. Mais le Seigneur va te parler. Le Seigneur te parlera. Alléluia. Parce que parfois, on se convainc soi-même. Alléluia. Et je me parle aussi à moi-même. Ce matin, je parle aussi à moi-même. Je dois aussi avancer encore avec Jésus. Je ne dois pas reculer. Parfois, tu sais pourquoi tu recules? Parce que tu regardes dans le passé, tu regardes en arrière. Mais si tu regardes en arrière, alors tu ne vas pas pouvoir regarder à l'avant parce que tu ne peux pas regarder derrière et devant. Tu dois choisir. Lorsque tu roules en voiture, tu regardes devant avec le grand pare-brise. Mais si tu commences à regarder dans ton rétroviseur et tu regardes tout le temps, à un moment donné, tu risques de foncer dans une voiture. Donc, tu dois regarder devant. Tu regardes dans le passé pour te souvenir de là où le Seigneur est venu te chercher. Alors là, c'est une bénédiction. Tu dis vraiment, Seigneur, merci. Parce que là où j'étais avant, vraiment, je te remercie parce que tu m'as changé, tu m'as transformé. Mais toi, tu regardes devant. Parce que devant, Dieu a quelque chose de bon pour toi. Devant, il a quelque chose de merveilleux pour toi. Il a un plan magnifique pour toi. Il a une destinée. Alors à toi d'avancer dans ta destinée. Alléluia, à toi d'avancer dans ta destinée et tu restes dans ton couloir. Lorsque tu vois des athlètes de haut niveau, lorsque tu vois ces athlètes de haut niveau dans le domaine de l'athlétisme, tu vois qu'ils sont là, ils doivent faire un 100 mètres, ils restent dans leur couloir. Et ils ne vont surtout pas aller dans l'autre couloir, le couloir du voisin, mais ils restent dans leur couloir et se focalisent sur leur objectif. Peu importe l'âge que tu as, peu importe l'âge que tu as, tu as encore des rêves, alors réalise-les. Fais en sorte que ces rêves soient non seulement la volonté de Dieu, mais que ces rêves puissent se réaliser. Fais en sorte que ces rêves puissent se réaliser. Tu dis, Seigneur, je veux que mes rêves se réalisent et je prie que le Seigneur réalise tes rêves. Je prie que le Seigneur réalise tes rêves. Si c'est conforme à sa volonté, je prie vraiment que tes rêves soient réalisés, que tes projets se réalisent
au nom de Jésus. Alléluia. Et si tu as des obstacles, si tu as des obstacles qui sont devant ta route, alors tu pries et tu dis obstacle à partir d'aujourd'hui. Maintenant, tu stops. C'est moi qui avance. Alléluia. Lorsque tu as un Goliath devant toi, tu pries et tu dis Goliath, maintenant tu arrêtes. Goliath, maintenant tu arrêtes. Je te lis au nom de Jésus et j'avance. Alléluia. J'avance avec la puissance de Dieu. Alléluia. Avant d'avancer, tu peux parler aussi. Tu peux parler à la montagne. Tu peux parler à la situation. Tu peux parler. Tu peux lever le bâton comme Moïse devant la mer Rouge et tu parles. Alléluia. Tu déclares au nom de Jésus. Tu déclares que tu avances. Alléluia. Si tu as des blocages dans ta famille, si tu vois qu'il y a des choses qui t'empêchent d'avancer, tu sens qu'il y a une lourdeur, alors tu prends autorité et tu détruis toute forteresse maléfique qui t'empêche d'avancer dans le nom de Jésus. Et je prie que toutes ces forteresses maléfiques qui t'empêchent d'avancer, que ces forteresses soient brisées, soient détruites maintenant dans le nom de Jésus. Que toutes les personnes qui parlent mal sur ta vie dans le nom de Jésus, j'annule ces paroles maintenant dans le nom de Jésus. Annule toutes les paroles maléfiques qui sont prononcées sur ta vie dans le nom de Jésus. Annule toutes les paroles maléfiques qui sont prononcées sur ta destinée, sur tes finances, sur ta santé. Annule ces paroles maléfiques au nom de Jésus. Ces paroles sont nulles et sans effet. Tous ceux qui parlent contre toi au nom de Jésus, ces paroles ne vont pas agir. C'est nul et sans effet. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si 1000 tombent à ta droite, si 10 000 tombent à ta gauche, tu ne seras pas atteint parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu te protège. Alléluia. Hamara Shanda Karabas. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Que tu puisses continuer d'avancer. Que tu puisses continuer d'avancer. Lorsqu'on a vu cette parole sur le laboureur, sache qu'un laboureur, sache qu'un cultivateur, lorsqu'il met des graines dans la terre, il attend. Mais quand il attend, mais pas seulement il attend, c'est qu'il arrose. Il arrose. Il a mis des graines dans la terre. Il a mis des graines dans une bonne terre. C'est pourquoi lorsque tu mets des graines, tu dois mettre des graines dans une bonne terre. Lorsque tu sais que cette graine est là, tu es conscient que dans cette graine, il y a un pommier. Si c'est une graine de pommier, tu es conscient de dans cette petite graine, il y a un pommier. T'imagines dans cette petite graine, mais tu mets cette graine dans la terre et tu commences à arroser. Et tu arroses, et tu arroses, et tu arroses, tu en prends soin. Mais tu dois continuer d'arroser. Parce que si à un moment donné, tu oublies d'arroser, tu pars en vacances pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et tu dis, ah, la graine, elle va aller toute seule, elle va se développer toute seule. Non, tu dois continuer de l'arroser. Alléluia, donc tu dois faire ta part. Mais Dieu va faire sa part. Dieu va faire sa part parce que Dieu aussi va arroser. Dieu aussi va arroser. Il va mettre du vent, il va mettre la tempête, il va mettre du soleil, il va changer le temps. Pour que la graine puisse se développer. Alors, on va venir te voir, ton voisin va venir te voir, il va dire, mais là, je ne vois pas ton pommier. Tu me parles de ton pommier depuis des années, mais ton pommier, je ne le vois pas. Mais toi, tu es convaincu, tu le sais, tu as mis une graine et tu es convaincu qu'il y aura bientôt un pommier. C'est sous la terre, on ne le voit pas. Mais toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Alléluia. Lorsque on te dit, mais toi, là, tu es sûr d'avoir des projets. Tu es sûr que tu vas réussir parce que là, je ne vois rien. C'est pourquoi lorsque les femmes sont enceintes, on ne peut pas cacher le bébé parce qu'à un moment donné, tu vois vraiment le ventre grossir. Amen. Alors là tu ne peux pas cacher. La personne sait que tu as un projet. La personne sait que tu as un bébé. Alléluia, on ne peut pas cacher. Mais parfois, il y a des projets qui sont cachés. Pourquoi ? Parce que Dieu veut faire les choses en secret. Parce que si tu commences à trop montrer devant les autres, il y a des personnes qui sont jaloux. Il y a des personnes qui vont même prier pour que tu ne réussisses pas. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que Dieu est avec toi. Lorsque Dieu a promis quelque chose, personne ne peut s'opposer aux promesses de Dieu. Si Dieu te l'a dit, si tu es convaincu, alors tu restes à l'aise. Alléluia. Alors lorsque le voisin vient, il dit « mais je ne vois pas ton pommier », tu dis « ça va venir ».
t'inquiète, ça va venir, voisin. Et il revient encore, et il rigole, il dit, mais ton pommier, regarde, n'est pas là. Tu dis, ça va venir, Et là, à un moment donné, tu vois que ça commence à sortir de la terre. Et tu continues encore d'arroser, Et à un moment donné, voilà, tu as ton pommier. Et lorsque tu as ton pommier, tu as des belles pommes. Et là, tu viens chercher les pommes. Même ton voisin va venir chercher les pommes. Il va venir chercher les pommes. Parce que c'est souvent comme ça. Les personnes qui te maudissent, ce sont les mêmes qui vont t'acclamer plus tard. Les personnes qui t'ont maudit, ce sont les mêmes qui vont t'acclamer. Alléluia. Donc, le voisin là qui est en train de te maudire en disant le pommier, on ne le voit pas, c'est lui qui va venir chercher les pommes. C'est lui qui va venir chercher les conseils. Mais comment tu as fait? Parce que moi, ça fait des années que je n'arrive pas. Tu vois, c'est souvent comme ça. Les gens qui te critiquent, les gens qui te disent, mais alors on ne voit rien. En fait, c'est parce qu'on ne voit rien non plus chez eux. Les gens qui sont jaloux de toi, c'est parce qu'en fait, ils n'ont rien à raconter sur leur vie, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Sache que les gens qui sont jaloux de toi ou qui disent, oui, regarde, tu fais ci, tu fais ça, ils ne sont pas contents de ton élévation. Tu dis, je suis désolé, c'est Dieu qui m'élève. Moi, je n'y peux rien. Tu vois ça avec Dieu. Si tu n'es pas content que je sois élevé, alors tu dois demander à Dieu. Tu dois aller demander à Dieu pourquoi. C'est lui qui décide. Alléluia, c'est lui qui décide. Et le fait de murmurer, d'être jaloux sur les autres, tu n'as plus le temps de penser à toi. Tu regardes la vie des autres, tu dis, ah, lui, il a réussi. Elle a réussi. Comment il a fait? Et demande à Dieu. Dieu va te donner la recette. Mais sache que si cette personne, elle est élevée, toi, tu peux être élevé aussi. Mais le fait d'être jaloux contre cette personne, tu ne vas pas être élevé. C'est pourquoi nous devons glorifier le Seigneur et être contents que nos frères et sœurs avancent. Alléluia. Tu vois, lorsqu'il y a des artistes chrétiens, lorsqu'ils ne sont pas connus, personne ne parle d'eux. Dès qu'ils commencent à être connus, on commence à les critiquer, à les juger. Même si tu n'aimes pas sa musique, même s'il fait une musique que tu n'aimes pas, mais glorifie le Seigneur parce qu'il est en train de propager l'évangile. Parfois, je ne sais pas pourquoi on est toujours en train de critiquer nos frères et sœurs. Nous devons les encourager. Alléluia. Nous devons les encourager. Et nous avons besoin d'encouragement. Alléluia. Les uns les autres, nous avons besoin d'encouragement. Alors, je reviens à mon histoire de pommier. Lorsque tu as ces pommes qui sont là, toi, tu les prends, tu les manges, ton voisin les prend, tout le monde vient les chercher. Alléluia. Tout le monde vient. Ils viennent directement. Ce n'est pas toi qui vas prendre le pommier et qui va amener dans ton village, dans ton quartier, dans ta nation. Les gens viennent chercher les pommes. Les gens vont venir à toi parce que tu vas briller. Les gens vont venir à toi. Alléluia, parce que tu vas briller. Les gens vont venir à toi. Ils vont venir demander des conseils. Ils vont te dire, je t'ai vu sur Facebook. J'ai besoin de conseils. J'ai besoin d'encouragement. J'ai besoin que tu m'aides. Les gens vont venir vers toi. Tu n'as pas besoin de bouger. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé sur toi-même. Tu as travaillé ton développement intérieur, ton développement personnel, comme ce pommier. Alléluia, tu as arrosé la graine. Sache que la graine qui a été mise dans la terre, c'est toi, c'est ton potentiel. Imagine lorsque Dieu t'a créé, il dit, ah, là, vraiment, ce que j'ai créé là, c'est bon, c'est très, très, très bon. Alléluia, lorsqu'il te voit, il dit, ah, ma fille là, vraiment, mon fils, j'ai mis un potentiel en lui, un potentiel en elle, et je sais qu'elle va le développer, et c'est ça. Quand tu vois cette graine, il y a un potentiel dedans, mais tu dois le développer. C'est pour ça, chaque jour, tu pries pour pouvoir arroser cette graine. Lorsque tu arroses encore, ça devient un pommier. Écoute-moi bien, lorsqu'il y a un pommier qui sort de cette terre, il y a des pommes que tu vas prendre, mais dans ces pommes, il y a des pépins. Lorsque les pépins tombent dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres pommiers qui viennent. Alléluia, encore d'autres pommiers. Tu as mis juste une graine, mais il y a un pommier qui est venu et ces graines vont tomber dans le sol et ça va faire un autre pommier qui va aussi porter du fruit avec d'autres pommes. Et pareil, il y aura toujours des pépins qui vont tomber dans le sol et ça va faire encore d'autres fruits. Et c'est comme ça que tu vas porter du fruit, mon frère, ma sœur. Mais regarde déjà, le départ, c'était quoi? Une petite graine. Le départ, c'était une petite graine. Alléluia. Le départ, c'était une petite graine. Alors, cette graine-là qui est en train de se développer, tu dois continuer de développer. C'est pourquoi on parle de développement personnel. Tu te développes de l'intérieur et tu avances, afin de pouvoir briller, Nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde et tu dois briller comme ce pommier. Tu dois briller, alléluia, afin que les gens viennent vers toi, et disent, non, moi, je vais puiser vers toi. Alléluia. Lorsque la femme a perdu de sang, elle s'attachait à Jésus parce qu'elle
elle savait qu'elle allait être guérie, parce qu'elle savait qu'il y avait une puissance qui se dégageait. Mais tu as aussi la même puissance. Alléluia. Tu as aussi la même puissance, parce que Jésus vit en toi. Tu as la même puissance. Et les gens vont venir à toi pour demander des conseils. Les gens vont venir à toi pour que tu pries pour eux. Les gens vont venir à toi pour que tu leur donnes des conseils de sagesse. Alléluia, au nom de Jésus. Et je prie vraiment que les gens viennent vers toi pour demander des conseils de sagesse. Je prie que les gens viennent vers toi pour que tu puisses les soutenir. Je prie que les gens voient la lumière à travers toi, la lumière de Jésus. Lorsqu'on te voit, on te dit, non, là, je sens que Jésus est en toi. Je sens que toi, tu es chrétien. Il y a quelque chose de différent chez toi. Alléluia, je prie pour cela. Je prie que vraiment, tu manifestes la gloire de Dieu. Tu manifestes la puissance de Dieu. Tu manifeste la lumière de Dieu. Alléluia. Et cette lumière ne peut pas être enfermée. Tu dois éclairer. Tu dois éclairer. Ce pommier, on le verra. On le verra. Alléluia. Peut-être que tu te dis, oui, mais moi, en tant que pommier, on ne me voit pas. Je suis toujours là sous la terre. Tu penses que tu es sous la terre, mais tu es en train de te développer. Cette graine était sous la terre, mais elle était en train de se développer. Alléluia. Le voisin ne le voyait pas. Le quartier ne voyait pas. La nation ne voyait pas. Il dit, mais cette graine-là, là, il n'y a rien, mais toi, tu sais en dessous que c'est en train de se développer. Et à un moment donné, ça sort. À un moment donné, ça sort. Alléluia. Il y a ce bambou, vous connaissez le bambou. Et lorsque tu mets cette graine, il faut plusieurs années, je crois qu'il faut au moins 4 ans, 5 ans avant que vraiment cette tige sort. Mais lorsque cette tige sort, cette tige est très forte. Alléluia, ce bambou est très fort, mais il faut des années, il faut 4 à 5 ans. Alors imagine, tu mets la graine et tu dois attendre 4 à 5 ans avant vraiment que la racine puisse sortir, avant que le bambou puisse sortir. Alléluia, c'est pourquoi le Seigneur est silencieux, parce qu'il sait que ça va sortir, il sait que ça va sortir. Mais le problème du chrétien, il n'est pas patient. Et je sais que je parle à quelqu'un, nous ne sommes pas patients. Et nous devons être patients. Nous devons lâcher prise et dire, Seigneur, j'attends seulement. Toi, tu attends, mais tu continues de prier. Alléluia. Si là, en ce moment, peut-être que tu ne travailles pas, tu dis, je n'ai pas de travail. Peut-être parce que tu es en formation. Peut-être parce que tu dois apprendre quelque chose. Peut-être que tu dois te former. Peut-être que tu dois te reposer. Oui, ok. Mais à un moment donné, si ça fait plusieurs années, tu peux dire, bon là, à un moment donné, je me suis assez reposé. Maintenant, je sors de ma grotte. Maintenant, j'avance. Alléluia. Il y a des temps de repos, mais il y a des temps aussi où tu dois travailler. Il y a des temps de réflexion, il y a des temps de silence, mais il y a des temps où tu dois te lever. Alléluia. Il y a des temps où tu dois éclairer, il y a des temps où tu dois rester dans ta grotte, dans ton silence avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'est pas obligé toujours de répondre. Dieu n'est pas toujours obligé de répondre à tes prières. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi lorsque tu pries, lorsque tu es connecté à Dieu, tu sais quelle est la saison. Et il y a différentes saisons. En ce moment, ici à Luxembourg, il y a la saison d'été estivale, c'est très chaud. Mais après, il y aura l'automne, après il y aura l'hiver, il y aura le printemps. Alléluia. Et la saison va changer. Nous sommes pour l'instant en polo, nous sommes en short t-shirt. Il fait bon, c'est agréable. Mais à un moment donné, ça va changer. On va devoir remettre notre doudoune, on va devoir remettre nos pulls. Alléluia. Et je sais que ça ne plaît pas à certains parce que voilà, on aime bien être au soleil, on aime bien cette saison, mais les saisons changent, c'est comme ça, et avec Dieu c'est pareil. Il y a des saisons où oui, tu as beaucoup pleuré, mais tu as jeûné, tu as cherché Dieu. Et il y a une autre saison où justement on te voit, une autre saison où les portes vont s'ouvrir, une autre saison où justement tu te mets à part avec Dieu. C'est pourquoi il est important de savoir dans quelle saison tu es, dans quelle saison tu es en ce moment. Alléluia. Nous ne sommes pas dans la même saison. Par exemple, je suis à Luxembourg, mais toi, tu es à l'île Maurice. Tu es en Martinique, par exemple, en Nouvelle-Zélande. Là-bas, c'est l'hiver. C'est complètement l'inverse d'ici. Donc, ils ont une saison différente. Nous avons des saisons différentes. Peut-être que toi, en ce moment, tu es en train d'apprendre quelque chose, ou peut-être que tu es un jeune converti et tu viens juste de connaître la Bible. C'est la première fois que tu lis la Bible. Donc, nous ne sommes pas au même niveau. C'est pourquoi tu ne dois pas critiquer ton frère, ta sœur. Chacun avance à son rythme. Chacun s'avance au rythme de Dieu. Alléluia. Ne regarde pas ton voisin en disant, ah, mais là, lui, ça fait des, ça, lui, il avance, lui, il fait ci, fait ça, mais moi, j'arrive pas. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Ne regarde pas ça.
C'est l'erreur que j'ai faite au début. Lorsque nous avons commencé le ministère avec mon épouse, ça fera un an maintenant au mois d'août. On a commencé l'église en septembre, mais voilà, c'était au mois d'août qu'il y a eu la consécration. Donc, ça fait un an. Et lorsqu'on a démarré, moi, je voulais absolument que ça avance, forcément. J'ai dit, mais ça n'avance pas comme j'aimerais, ça n'avance pas. Donc, j'étais un peu frustré. Et en fait, je me comparais à mon père spirituel. Mais je ne peux pas me comparer à mon père spirituel, le pasteur Marcelo Tounassi. Ça fait 25 ans qu'il est dans le ministère. Ça fait 25 ans. Alors que moi, ça faisait juste un an. Ça faisait juste un an. Alors, bien sûr, avant un an, voilà, nous étions déjà chrétiens, nés de nouveau, ça va faire plus de 10 ans. Mais c'est juste pour dire que voilà, dès que tu commences le ministère, bah dis-toi qu'il faut aussi un temps où tu vas apprendre, un temps où tu vas être brisé, un temps où Dieu va te mettre à l'épreuve. Et le pasteur Marcelo, lorsque tu vois sa vie, ah, il a été fortement éprouvé, il a fait des erreurs, mais il a appris. Alléluia. Alors je sais que je dois passer par là. Nous savons que nous devons passer par là. Et toi aussi, tu dois passer par là. Tu dois passer par les épreuves de feu. Tu dois passer aussi comme Daniel dans la fosse aux lions. Tu dois passer par ces moments-là. Ah, ça va être dur, c'est vrai. Le brisement est dur, mais c'est pour ton bien. Lorsque tu sors de là, tu dis, ah Seigneur, tu es avec moi. Alléluia. Lorsque tu passes par des moments difficiles, c'est là que tu réalises que Dieu est avec toi. Lorsque tu as eu un accident et que Dieu t'a permis de ne pas mourir, d'être encore là, et tu as vu la main de Dieu, tu dis non Seigneur, merci. Lorsque tu étais malade et que Jésus t'a guéri, tu te dis non vraiment, là Dieu est avec moi. Lorsqu'on t'a dit que tu es stérile et que tu as eu des enfants, tu dis non vraiment, Dieu est avec moi. Alléluia. Lorsque tu étais rabaissé et que Dieu t'a élevé, tu te dis non vraiment, la main de Dieu. Dieu est avec moi. Ça, c'est Dieu qui est avec moi. Alléluia. Alors, rappelle-toi de tous ces moments. C'est pourquoi, en fait, parfois, Dieu laisse ces épreuves. Parfois, Dieu te laisse dans cette situation compliquée parce que derrière, il veut se glorifier. À chaque fois qu'il y a un problème, sache qu'il y a toujours une solution. Sache qu'il y a toujours une solution. Alléluia. Sache qu'il y a toujours une solution. Alors, peut-être que tu es malade en ce moment, c'est une réalité, mais la vérité, c'est que tu es guéri. Alléluia, la vérité, c'est que tu es guéri. Peut-être que tu te sens rabaissé, mais Dieu va te relever. Et là, tu vas dire, non, Dieu m'a relevé. Alléluia, parce qu'il faut. Alléluia, parce qu'il faut. Il faut que nous passions par ces épreuves afin de devenir plus forts, afin d'avoir plus confiance en Dieu. Et c'est ainsi que Dieu va se glorifier. S'il n'y a personne de malade, comment Dieu va se glorifier? S'il n'y a personne qui est rabaissé, comment nous allons savoir que Dieu élève? Alléluia, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Et toi, tu vas le glorifier. Toi, tu vas témoigner. Alléluia. Et ça, c'est important aussi. C'est important de témoigner. C'est important de partager. Partagez votre histoire. Ne gardez pas votre histoire pour vous. Parce que le témoignage que tu as n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Et si tu ne l'utilises pas, si tu n'utilises pas ton témoignage, si tu ne témoignes pas, alors tu es égoïste parce que tu ne penses qu'à toi. Parce que cette histoire, c'est pour les autres. Ce témoignage, c'est pour les autres. C'est pour édifier, c'est pour encourager. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur grâce au témoignage. Imagine que toi, tu étais drogué, que toi, tu te piquais, que toi, tu faisais des choses horribles dans ta vie et que tu témoignes de ça. Quelqu'un qui passe par les mêmes épreuves va dire, mais c'est possible. Waouh, c'est possible. Tu as réussi, grâce à Dieu, à sortir de cette difficulté. Alléluia. C'est pourquoi il est important de témoigner. Dis-toi qu'il y a quelqu'un qui passe par les mêmes difficultés que toi, tu as passé. Alors ne sois pas égoïste, témoigne. Va sur les réseaux sociaux et témoigne. Dire ce que Dieu a fait pour toi. Tu dis, voilà la situation où j'étais, voilà ce que Dieu a fait. Alléluia, nous avons tous un témoignage. Est-ce que tu as un témoignage? Si tu as un témoignage, dis, oui, j'ai un témoignage. Est-ce que tu as un témoignage? Dis, oui, j'ai un témoignage. Dernièrement, sur TikTok, j'ai posé la question, voilà, donnez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire ce que Jésus a fait pour vous. Et il y a eu tellement de commentaires. Je lisais. D'ailleurs, je dois encore lire. Waouh! Je voyais ce que Dieu a fait dans votre vie, mais c'est merveilleux. Alléluia! Il y a même des personnes qui disent, mais je n'ai pas assez de lignes pour écrire ce que Jésus a fait dans ma vie. Mais les personnes ont répondu, waouh! Les personnes qui viennent vraiment de loin. C'est là que tu te dis, non Seigneur, c'est tellement bon. Moi, ça m'a tellement édifié, fortifié. Et je vous encourage à revoir cette vidéo sur TikTok et voir tous les commentaires, voir toutes les personnes qui ont répondu. C'est merveilleux. On sentait vraiment que
Voilà, on sentait vraiment qu'ils avaient vraiment envie de remercier Dieu. Alléluia. Alors, c'est ça que tu dois faire. Tu dois vraiment continuer de témoigner. Tu dois continuer de témoigner, de dire, voilà ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alors, un autre verset, psaume 37, 7. Qui peut le mettre en commentaire? Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Waouh! Garde le silence, espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alléluia! Pendant ce temps de silence, Dieu veut voir comment tu vas réagir face au problème. Et là, il est dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Alléluia, ne t'irrite pas contre lui, ne murmure pas surtout, ne murmure pas surtout. Alléluia, oui, je le redis encore, ne murmure pas contre Dieu. Si tu murmures contre Dieu, tu vas mettre un mur entre toi et lui. Alléluia, ne murmure pas contre ton frère et ta sœur, sinon tu vas mettre un mur entre toi et cette personne. Amen. Donc ne t'irrite pas, reste calme et dis Seigneur, aide-moi à avoir encore plus confiance en toi. Aide-moi, Seigneur. Accorde-moi la grâce. Je prie vraiment que vous ayez confiance en Dieu. Je prie vraiment que toute animosité, tout murmure qui serait dans votre cœur, que ce soit ôté maintenant dans le nom de Jésus. Que vous soyez libérés de toute animosité. Que vous soyez libérés de tout rejet, de tout abandon, de toute chose mauvaise qui vous empêche d'avancer. Je brise ces liens de malédiction. Je brise ces liens de rejet. Je brise ces liens d'abandon. Je brise toutes ces blessures dans le nom de Jésus. Que vous soyez guéris maintenant. Dans le nom de Jésus. Je sais qu'il y a quelqu'un ce matin qui a ce sentiment de rejet. Tu penses toujours que les gens te rejettent, mais ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Tu as été beaucoup rejeté dans ton passé, mais là, aujourd'hui, Dieu veut juste te dire qu'il t'aime. Jésus veut juste te dire que moi, je ne t'ai jamais abandonné, que je suis là avec toi et que je ne te rejetterai jamais. Alléluia. C'est pourquoi tu peux prier ce matin et déclare que tu es guéri. Alléluia. Déclare que tu es guéri maintenant dans le nom de Jésus. Déclare que tu es guéri de rejet. Le rejet que tu as ressenti, alléluia, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Parce que Jésus ne va pas t'abandonner, Jésus ne te rejette pas, Jésus est avec toi, alléluia. Alors refuse ce rejet, mais accepte l'amour de Dieu, accepte l'amour de Dieu, accepte l'amour de Dieu. Et dis Seigneur, je veux que tu puisses me remplir, je veux que tu puisses me remplir de ta présence, que tu puisses me remplir de ton feu, me remplir de ton amour, alléluia. C'est ça dont tu as besoin, l'amour de Jésus-Christ, parce que l'homme ne pourra pas combler ce vide que tu as. Il n'y a que Jésus qui peut combler ce vide. Il n'y a que Jésus qui peut te donner cet amour dont tu as besoin. Parce que sache que l'homme aussi a besoin. Parfois nous demandons à l'homme de nous aider. Oh, aide-moi, donne-moi de l'amour. C'est comme si on disait à la personne, remplis-moi d'amour. Non, mais il n'y a que Dieu qui peut te remplir d'amour. Il n'y a que Dieu qui peut te remplir de cet amour. Parce que l'homme n'est pas amour. Dieu est amour, l'homme n'est pas amour. Chaque personne cherche de l'amour. Chaque personne est blessée. Alléluia. Tu demandes aux autres de pouvoir t'aimer, mais ces gens ont aussi besoin, ces personnes ont aussi besoin d'amour. Alléluia. Ces personnes ont aussi besoin d'amour. C'est pourquoi il est important de se connecter à la source. Lorsque tu es connecté à la source, tu n'as pas besoin de demander aux autres qu'on t'aime. Toi, tu es rempli d'amour. Alléluia. Toi, tu es rempli d'amour. C'est suffisant. Alléluia, c'est suffisant. Mais lorsqu'on est blessé d'abandon et de rejet, alors ça vient toujours dans notre système de pensée. Et dès qu'il arrive quelque chose, dès qu'il y a une situation où on se sent mettre à part, il y a même des personnes qui, lorsqu'elles sont seules, elles pensent qu'elles sont rejetées. Même lorsqu'elles sont seules, elles se sentent rejetées. Alors que Dieu est là, Dieu est disponible. Alléluia, Dieu est disponible. Je peux comprendre des païens, je peux comprendre des personnes du monde qui n'ont pas Dieu et qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. C'est très dur pour eux lorsqu'elles sont seules. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu as Jésus qui est là à côté de toi. Tu as le Saint-Esprit qui te parle, le Saint-Esprit qui te remplit d'amour. Alors pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu n'es pas bien? Parce que tu n'as pas assez d'amour. Alléluia. Alors à toi de t'en donner. Demande à Jésus qui te remplit d'amour, mais à toi de t'en donner. Est-ce que tu te donnes assez d'amour? Est-ce que tu te valorises assez? Est-ce que tu te valorises assez? Est-ce que tu te donnes de l'amour? Alléluia, c'est ça aussi qui va t'aider. Jésus te donne de l'amour, mais à toi de te donner de l'amour, à toi de t'aimer, de t'apprécier. Alléluia, ça c'est une des clés.
Ça, on n'apprend pas à l'école. On t'apprend pas à l'école. On t'apprend pas non plus à l'église. C'est très rare. Quand tu dis tu dois apprendre à t'aimer, mais tu dois apprendre à t'aimer. Tu dois apprendre à t'aimer. Ça ne veut pas dire que tu dois être toi-même ton propre idole, mais tu dois apprécier la personne que tu es. Tu dois apprécier ton visage. Tu dois apprécier ton corps. Tu dois apprécier ta manière de parler. Tu dois apprécier ce que Jésus a mis en toi. Alléluia. Parce que si tu n'apprécies pas ce que tu as, tu es en train de critiquer la créature merveilleuse que tu es et tu attristes le Saint-Esprit. Tu attristes le Saint-Esprit. Lorsque tu te regardes à la glace et tu commences à chipper, lorsque tu te regardes dans la glace, tu dis « Ah vraiment là, non, je trouve que je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, j'ai trop de défauts, je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à faire ça, je ne suis pas intelligent. » Non, arrête de dire ça. Arrête de dire ça parce que tu es en train de te dénigrer. À toi de te relever, à toi de te relever et de dire non, vraiment, Seigneur, merci pour la personne que je suis. Et même si tu penses, même si tu crois, justement, tu dois faire attention à ce que tu crois, on en a parlé hier, même si tu penses qu'il n'y a pas d'intelligence, mais ne dis pas que tu n'es pas intelligent. Tu sais que le cerveau se travaille, le cerveau est malléable. Alors, si tu as des difficultés à lire, je t'encourage à continuer à lire et tu verras qu'à un moment donné, tu vas commencer à retenir. Tu vas commencer à retenir ce que tu lis. C'est à toi de passer à l'action et de t'autodiscipliner. Alléluia, tu peux t'autodiscipliner en te donnant de l'amour au quotidien, en te valorisant. Alléluia, tu as une énorme valeur, mais à toi de rajouter de la valeur parce que tu attends que ce soit les autres qui t'amènent de la valeur. Mais non, c'est toi. Alléluia, comme on dit, on est toujours mieux servi que par soi-même. Alors donne déjà à toi-même et dis Seigneur, remplis-moi encore de ton amour. Et je prie que le Seigneur vous remplisse de son amour. Je prie que le Seigneur vous donne cet amour véritable. Alléluia, et cet amour qui vient maintenant de la tête jusqu'aux pieds, vient toucher votre cœur, vient restaurer votre vie, vient enlever toute blessure émotionnelle, vient enlever tout ce qui n'est pas bon dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Hier, nous avons parlé de pensée et nous avons parlé pourquoi il est important d'avoir des bonnes pensées, parce que si tu as des bonnes pensées, tu auras des bonnes émotions, des bonnes actions et du coup, tu auras quelque chose de bon pour avancer dans ta destinée. Alléluia. Si tu as des pensées victorieuses, alors forcément, tu auras des émotions victorieuses, des actions victorieuses. Tu vas mettre en place des habitudes victorieuses et du coup, tu vas avancer de manière victorieuse dans ta destinée. Alléluia. C'est pourquoi il est important. C'est important. Alléluia. Tout ce que je vous dis ce matin, que ça soit vraiment un raisonnement, quelque chose qui vient résonner dans votre cerveau pour que vous puissiez passer à l'action. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis oui, je veux passer à l'action? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as entendu quelque chose et tu te dis oui, là, j'ai décidé aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que ce matin, tu as compris qu'il y a des choses que tu devais faire? Est-ce que tu peux mettre en commentaire? Est-ce que tu peux mettre en commentaire? Parce que je vais vraiment vérifier que tu as bien compris. Tu as bien compris le message de ce matin. Quelle action vas-tu mettre en place? Ou alors, qu'est-ce que tu as retenu de ce matin? Alléluia. Qu'est-ce que tu as retenu ce matin dans ce live? Qu'as-tu retenu ce matin? Et à travers ce que tu as retenu, que vas-tu mettre en place comme action? Le but de ces messages, c'est pas juste que ça soit émotionnel. Le but de ces messages, c'est qu'il y ait vraiment une décision, quelque chose, un déclic que tu vas mettre en place aujourd'hui. Alléluia. Tu as compris pourquoi Dieu était silencieux, pourquoi Dieu ne répond pas. Dieu est silencieux, mais ça veut pas dire qu'il est absent. Dieu est présent, Dieu est là et Dieu est avec toi. Lorsque tu comprends le pourquoi, du coup, c'est plus facile pour toi d'avancer. Lorsque tu comprends mais pourquoi telle chose, alors tu comprends tu comprends la raison. Alléluia. Une chose que tu dois savoir aussi, c'est savoir pourquoi tu dois te lever le matin, pourquoi Dieu t'a choisi. Sache que tu n'es pas là par hasard. Tu vas te dire, mais en fait, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Pourquoi je suis là en live. Je comprends pourquoi. Alléluia, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Pourquoi ce matin, je suis connecté? Parce que je devais entendre un message. Alléluia, je devais entendre un message ce matin. Pourquoi tu ne t'es pas couché? Pourquoi tu t'es réveillé ce matin? Parce que tu devais entendre ce message. C'est ça que j'aime avec Dieu. Alléluia, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Si tu es là ce matin connecté, il n'y a pas de hasard parce que Dieu voulait que tu sois là. Il n'y a jamais de hasard. Alléluia. Et même ceux qui sont là, comme j'ai expliqué hier, il y a toujours des personnes, notamment sur TikTok, des personnes qui critiquent, des personnes qui viennent par hasard. Mais il n'y a pas de hasard.
tu devais entendre ces paroles, mon frère, ma sœur. Je sais qu'il y a des athées, je sais qu'il y a des bouddhistes, je sais qu'il y a des musulmans qui suivent, et que vous soyez bénis, que vraiment le Seigneur vous bénisse. Vous êtes vraiment connectés à la bonne fréquence, que Jésus vraiment se révèle à vous comme il s'est révélé à moi, que Jésus se révèle à vous, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors tu vas me dire, mais pourquoi tu parles comme ça de manière si sûre, tu as cette conviction? Pourquoi? Parce que avec mon épouse, nous avons cherché Dieu partout, dans la drogue, dans l'alcool, dans le reiki, le feng shui. Nous sommes allés voir des marabouts, des sorciers. On a fait plein sortes de choses dans la religion musulmane, mais on n'a pas trouvé la paix. On n'a pas trouvé une réelle paix. Mais lorsqu'on est allé dans cette église où les gens étaient tellement heureux, ils étaient en train de louer le Seigneur, c'est à ce moment-là où Dieu nous a touchés. On a ressenti un amour qu'on n'a jamais ressenti. On a vu la main de Dieu. Ma femme a vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu et nous continuons de la voir. Alléluia. C'est pourquoi je sais que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Hier, je parlais des personnes qui règnent dans ce monde ou qui ont régné dans ce monde. Celui qui règne actuellement là en France, Emmanuel Macron, à un moment donné, il va partir. Il va partir de là. Alléluia. Son mandat sera fini. Il va partir de là et après, il va mourir. Alors, on pourra dire oui, il y avait un président. C'était avant. Il y avait un président. C'était avant. Il y avait tel dictateur, mais il est parti, il est mort, alléluia. Donc toutes ces personnes qui ont régné avant, ils sont morts, mais celui qui règne éternellement, il s'appelle Jésus. Celui qui règne éternellement, il s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux mettre Jésus règne éternellement? Jésus règne éternellement, alléluia. Jésus règne éternellement, alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur Jésus règne, il est vivant et il est encore là, alors que tous ces dictateurs, alors tous ces prophètes religieux sont morts, ils sont morts, alléluia, ils sont morts, ils ne sont pas vivants, ils sont morts, mais Jésus est vivant parce que Jésus est ressuscité après le troisième jour, et aujourd'hui c'est le troisième jour, alléluia, et je prie que tout ce qui était mort dans ta vie soit ressuscité maintenant, aujourd'hui, au nom de Jésus. Jésus règne éternellement. Que tu sois content ou pas content, je le redis, Jésus règne éternellement. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu veux connaître Jésus, si tu veux suivre Jésus, alors tu peux dire oui, oui Seigneur Jésus, je veux te suivre. Alléluia. Si ce matin, tu as entendu ce message et ce message t'a touché, tu ne connais pas Jésus, tu n'es pas né de nouveau. Alors ce matin, si tu sens dans ton cœur vraiment que tu vas accepter Jésus, mets en commentaire, Seigneur Jésus, je veux t'accepter. Seigneur, je veux t'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Alléluia, je veux suivre Jésus. Tu le mets en commentaire. Tu mets, je veux donner ma vie à Jésus. Alléluia, si ce matin, tu ressens vraiment que tu as besoin de Jésus, tu n'es pas né de nouveau, tu ne connais pas Jésus et tu veux le suivre afin qu'il puisse t'amener dans son royaume, afin qu'il puisse t'amener dans sa maison, afin qu'il puisse t'amener au paradis. Alléluia, alléluia. Si c'est ça, dis-le-moi en commentaire et nous allons prier ensemble. Alléluia, nous allons prier ensemble. Ce matin, Jésus veut vraiment être avec toi. Alléluia, alléluia. Jésus, je veux donner ma vie à toi. Amen, alléluia. Sois béni. Alors, reste connecté, nous allons prier ensemble. Je sais qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent donner leur vie. Je donne ma vie à Jésus. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, restez connectés, on va prier ensemble. Le Seigneur va vous toucher, le Seigneur va vous restaurer. Alors toi qui as mis en commentaire, je veux donner ma vie à Jésus, je veux donner ma vie au Seigneur, je veux accepter Jésus, alors que tu puisses dire cette prière. Alléluia, et tous les autres qui sont là connectés, nous allons prier pour eux. Alléluia, nous sommes à peu près une centaine connectés. Alors Seigneur Jésus, alléluia, merci de répéter. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de te suivre. Je décide de t'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. Tu es allé à la croix pour moi et je suis conscient que je suis libéré de tout péché.
merci parce que tu m'as pardonné. Je veux te suivre, je veux te connaître et je veux connaître ta parole. Accorde-moi la grâce de te suivre, accorde-moi la grâce d'intégrer une église et d'être entouré de frères et sœurs. J'ai prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer là où tu es? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Sache que ce live est pour toi, mon frère, ma sœur, toi qui as accepté Jésus. Alors, ce que je peux te dire, c'est que dans le ciel, c'est la fête. Dans le ciel, les anges se réjouissent parce que tu es revenu à la maison. Alors que tu étais dans les ténèbres, alors que tu étais dans le monde, aujourd'hui, tu as accepté Jésus et tu fais partie du royaume des cieux, tu fais partie de la famille en Christ. Et c'est pourquoi nous te souhaitons la bienvenue. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue en commentaire? Dis bienvenue à mes frères et sœurs. Soyez bénis. Vous pouvez mettre une parole d'encouragement. Et je vous encourage à envoyer en message privé, donc ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, vous pouvez m'envoyer un message privé. Alors sur TikTok, vous allez dans message, vous m'envoyez un message privé et vous me dites que vous avez reçu Jésus ce matin et je vous demanderai aussi de me donner votre numéro de téléphone, aussi me donner votre prénom et le lieu où vous vous trouvez. Voilà, et peu importe où vous vous trouvez, nous avons des églises vraiment partout dans le monde et vous allez pouvoir être édifiés, encouragés, être suivis par des pasteurs, par des frères et sœurs. Amen. Et si tu as besoin d'être baptisé, tu pourras aussi être baptisé. Alléluia. Amen. Alors, pour parler aussi du baptême, samedi, ici à Luxembourg, nous allons baptiser. Donc, si tu es du côté du Luxembourg, si tu es dans le coin, que tu habites en France, en Belgique, tu es pas loin du Luxembourg, tu veux te faire baptiser ce samedi, alors tu peux encore me contacter, n'est pas trop tard. Nous pouvons encore t'intégrer dans ce groupe et tu peux être aussi formé et tu pourras être baptisé samedi. Si vraiment tu le ressens, tu veux être baptisé, tu n'es pas encore baptisé, alors je t'encourage à me contacter. Quand je parle de baptême, je parle de baptême par immersion. Je parle pas de juste la petite goutte d'eau que tu as reçue sur ton front lorsque tu étais petit, parce que ça, c'est un faux baptême. Si vous voulez, demain, j'en parlerai. Le vrai baptême, c'est d'être immergé et aussi tu dois être conscient. Un bébé, lorsque tu lui dis « est-ce que tu vas être baptisé ?», le bébé, lui, à part à papa, maman, pipi, caca, c'est tout ce que l'enfant va te dire lorsqu'il est petit. Alléluia. Mais l'enfant ne va pas te dire « moi, je veux accepter Jésus » parce qu'il ne parle pas encore. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être conscient. Tu dois être conscient. Tu dois être conscient que tu veux être baptisé. Tu dois être conscient que tu dois accepter Jésus. C'est le salut est personnel. C'est toi qui décides. C'est toi qui choisis. Et lorsque tu dis « oui, je veux me baptiser », alors on va te baptiser dans l'eau par immersion. Tu passes dans l'eau et tu ressors directement. Alléluia. Donc, en fait, tu enterres ton vieil homme et tu deviens une nouvelle personne. C'est pourquoi on dit la nouvelle naissance naît de nouveau. Alléluia. Alors, si vous êtes pas loin aussi du Luxembourg, sachez que nous avons un culte chaque dimanche. Vous pouvez m'envoyer aussi un message. Vous pouvez venir dans notre église, vraiment, et on passe des bons moments. Donc, je suis le pasteur Max Rowe. Alléluia, je suis le pasteur Max Rowe et nous avons l'église La Compassion à Luxembourg. Mais il y a aussi une église sur Paris, La Compassion Paris, avec mon ami pasteur Cospiel. Donc, vous allez sur Internet, sur Facebook, et vous mettez La Compassion Paris et vous allez pouvoir aller au culte les dimanches, vous avez l'adresse, mais si vous êtes à Luxembourg, vous pouvez venir aussi nous voir. Vous avez aussi un groupe, vous avez un groupe sur TikTok. Lorsque vous voyez ma photo de profil juste en dessous, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir rejoindre le groupe et nous allons pouvoir communiquer. Alléluia, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Alors demain, nous sommes au quatrième jour et demain, nous allons prier pour les malades. Donc, si tu es malade, viens demain. Si tu connais quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'avoir un toucher, vraiment, viens demain au live. Alléluia. Nous n'avons pas
nous n'avons pas besoin. Ah, ben, tu es sur Metz, donc tu n'es pas loin du Luxembourg. Alors, tu peux venir nous visiter, tu peux m'envoyer un message privé. Nous faisons aussi des soirées de guérison. Vraiment, la main de Dieu est là et vraiment, le Seigneur fait de grandes choses. Il y a eu beaucoup de guérisons dernièrement et vraiment, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Donc, demain, tu vas pouvoir venir. Si tu connais quelqu'un qui est malade, tu envoies le lien et la personne va pouvoir se connecter. Peu importe où tu es, que tu sois à l'île Maurice, que tu sois en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout de la terre, que tu sois en Afrique, peu importe où tu es, le Seigneur agit. Alléluia. Le Seigneur agit à travers les réseaux et il le fait de plus en plus. Et vraiment, nous pouvons dire merci à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Si tu as été béni, dis oui, j'ai été béni. Et tu peux acclamer le Seigneur et dire merci parce que le Seigneur voulait ce matin te passer un message. Le Seigneur voulait te faire du bien. Et je vous encourage à aller sur TikTok en haut à gauche, de vous abonner afin de recevoir les vidéos, afin d'être au courant aussi des lives. Alléluia, donc vous pouvez vous abonner en haut à gauche sur le live de TikTok et comme ça, vous faites partie des abonnés, vous allez pouvoir avoir toutes les informations nécessaires. Alléluia, le Seigneur est bon, merci Seigneur. Alors nous allons prier. Alléluia. Alors pour l'île Maurice, oui, nous avons l'église La Compassion qui est en train de s'ouvrir tranquillement à l'île Maurice. Envoyez-moi un message et je vous mettrai dans le groupe de l'île Maurice de la compassion. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons. Waouh, tu as encore agi vraiment puissamment. Seigneur, je veux juste te dire merci. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison de toutes ces âmes. Père, je te remercie. Je te remets toutes ces personnes qui se sont connectées. Merci aussi à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Père, je prie que tu puisses les aider, les fortifier, les protéger de toute attaque de l'ennemi. Protège également mes frères et mes sœurs qui sont là, qui ont écouté ce matin en live et qui vont écouter en replay. Je prie que tu les protèges de toute attaque de l'ennemi, que le sang de Jésus soit sur eux. Seigneur, merci de continuer d'agir, de leur faire du bien. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore demain où tu vas nous faire du bien. Seigneur, je veux juste te dire merci parce que tu es là, tu es présent. Alléluia, et je te bénis. Que cette parole qui a été donnée ce matin, que cette parole puisse être mise en pratique afin que nous puissions porter du fruit. Père, je te bénis. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. Alléluia, soyez bénis et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Alléluia. Ciao, ciao, ciao.